Fondé en 1981, le club de tennis de Le Sanguel ne cesse d'attirer les jeunes. Cet après-midi-là, sur le court, la dernière séance des 5-6 ans est encadrée par Bernard et des parents. Ensemble, ils transmettent les bases de ce sport. On va vous donner une balle violette. Celle-là, il faut l'envoyer par le bas, tac, et ça doit être réceptionné dans le chapeau. Vous avez deux essais. Motricité, coordination, la concentration, l'attention, c'est important déjà au tennis et dans beaucoup de sports, bien sûr. Mais après, cette notion de jeu, du plaisir et du jeu, c'est notre objectif à nous en tant qu'éducateurs. L'association propose à 180 pratiquants du loisir, de la compétition, ainsi qu'une trentaine d'heures de cours par semaine. Le mercredi, c'est école de tennis pour 70 enfants. Le dispositif doit d'ailleurs évoluer à partir de la rentrée prochaine. On parle de la nouvelle école de tennis qui consiste à mettre sur le terrain davantage d'enfants simultanément. C'est tout à fait possible à condition de réaliser les conditions, c'est-à-dire un éducateur au maximum, au minimum, voire deux si possible, et surtout ce qu'on appelle des coachs tennis, c'est-à-dire des jeunes qui ont été formés et qui viennent en quelque sorte chapeauter les différents ateliers qui sont mis en place simultanément sur le terrain. Une formule qui peut s'avérer payante, d'autant que chaque jeune peut profiter ici de deux créneaux encadrés. Pour réduire le tarif de leur adhésion, ils sont nombreux à avoir profité du passeport, le coup de pouce mis en place par la CAL. À tel point que cette année, par exemple, on a 72 jeunes licenciés et qui, sur les 72 jeunes, il y en a 57 qui ont eu le pass de la CAL. L'adhésion part sur la base de 100 euros, donc on enlève les 30 euros de pass CAL, donc ça leur coûte 70 euros. Et même 60 euros pour les enfants jusqu'à 6 ans, ils ont tous une bonne raison d'apprendre le tennis. Il faut taper dans la balle avec la raquette. Parce que mon frère, il fait aussi du tennis. Parce que j'ai des muscles. Le club de Le Sanguel rouvre ses portes aux jeunes dès septembre, les lundis, mardis, jeudis, de 17h30 à 19h, et les samedis, de 9h à 11h.